Tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer le logiciel Filcarto. Comme vous voyez, il est actuellement installé sur mon ordinateur. Je vais donc vous montrer comment le désinstaller. Il faut aller dans le panneau de configuration, dans les programmes, puis aller dans désinstaller un programme. Ensuite, vous pouvez le trier par date si vous l'avez installé récemment. Allez sur Filcarto, double-cliquez. Il vous demande d'autoriser l'application à apporter des modifications à l'appareil, on accepte. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer complètement Filcarto et tous ses composants? Oui. Donc là, on laisse faire la désinstallation. La désinstallation est complète. Vous voyez, l'icône de Filcarto a disparu. Maintenant, comment installer Filcarto? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site internet de Filcarto. Vous voyez filcarto.free.fr. Vous cliquez sur la première page, vous arrivez sur la page d'accueil du site de Filcarto. Vous cliquez pour utiliser ici Filcarto, c'est ici. Vous cliquez sur l'icône. Vous cliquez sur télécharger. Ensuite, vous cliquez sur le petit bouton rouge ici du logiciel Filcarto 2020 pour Windows, c'est la dernière version en cours. Vous le téléchargez. Une fois que le logiciel est complètement téléchargé, vous cliquez sur le lien, vous pouvez fermer le site, vous prenez l'installateur, vous le glissez sur votre bureau. Donc là, je l'ai glissé depuis mon écran de droite, j'ai fait simplement cette opération-là. Ensuite, vous double-cliquez sur l'installeur. Windows a protégé votre ordinateur. La formation complémentaire exécutée quand même. C'est parce qu'il n'est pas encore rentré dans la base de données SmartClean de Windows. Il nous demande si on veut que l'application apporte des modifications à l'appareil alors que la source est inconnue. On dit oui. Le logiciel s'installe. Je vous conseille de l'installer en français, mais vous pouvez l'installer dans le langage que vous voulez. On fait suivant, on ne modifie rien. Nous propose de réinstaller ou de réparer Microsoft Access, on fait suivant. On réinstalle Microsoft Access. Ce qui nous pose la question, c'est qu'a priori nous n'avons pas toutes les extensions permettant d'utiliser correctement Filcarto. Ensuite on fait OK et on quitte. Maintenant Filcarto est réinstallé sur notre ordinateur.